Et salut les rocketeurs, c'est Gaspo, bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 28 de la série 1v1 Tryhard. Rappelez-vous, la dernière fois on s'est arrêté, 1303 MMR, GC3 Division 2. On se rapproche de plus en plus du SSL, on est à 47 points du SSL exactement. Alors sachez que là je viens de jouer en freeplay et j'ai essayé de faire des mécaniques et tout ça et je n'ai réussi à faire aucun tir propre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être un des épisodes où je vais faire le moins de mécaniques possible et jouer juste au sol proprement 50-50. Je vais vraiment faire aucun reset, je pense. Allez, en espérant ne pas trop mal jouer quand même, c'est parti pour la game 1, jingle. Allez, game 1, on est contre TTV Azimarel. Ah putain, c'est vrai, pour une vidéo de D7, j'ai activé tous les sons extérieurs. Ça me fait bizarre. En tout cas, on est contre un streamer. Je sais pas s'il est en live. Allez, on va prendre les pads. Du coup, je risque d'avoir les musiques quand on marque un but. J'ai désactivé depuis la création de cette option. Je sais pas si vous l'utilisez beaucoup, vous. Mais moi, j'utilise pas du tout. Hein. Le truc où il y a une musique quand tu marques. Ok, on va essayer de contrôler. J'ai eu peur qu'il me rush, je vous avoue. Il a l'air de bien jouer, lui. Hein. Mais là, il a fait de la merde. Et c'est peut-être but pour moi. Non, je vais lui prendre le boost, c'est le plus important. Ok. Voilà, il rush pour rien. Et c'est open. J'ai pas compris ce qu'il faisait. En fait, là, il avait vraiment pas le temps de l'avoir avant moi. Il avait pas de boost. Je comprends pas pourquoi il me rush. En tout cas, c'est parfait. On arrive à marquer. Allez. Ah non, j'avais dit pas de mécanique. Ok, je air dribble. Et je fake. Voilà ma mécanique. Hein. On joue safe. Ok, c'est pas mal, je vais essayer de m'envoler en vrai. J'ai peur qu'il me rush et que ce soit dangereux. Prendre son boost. Ouais, fake. Il l'a pas cadré, je vais encore fake. Hop, parfait. Et c'est peut-être but en vrai. Il a peut-être galéré. Voilà. Je m'en doutais. Alors attendez, je vais essayer de désactiver le son qui me perturbe. Hop, voilà. Et voilà, et on est bon. Parfait. En vrai, c'est bien, j'ai eu un mec exactement de mon elo. Hein. Et ça, ça fait plaisir. Oh oui, il rate son kick-off. Et je rate le kick-off, finalement. C'est dommage, parce qu'il a fait de la merde et il est récompensé pour ça. Bon, c'est ma faute. Hein. Je me disais, ouais, j'ai peut-être une chance de l'avoir, mais... J'aurais pas dû la tenter, en vrai. J'aurais même pas dû la tenter. Dommage. Dommage parce que je pense que ça l'aurait vraiment fait tilter de prendre un kick-off goal là, il aurait été en 3-0, il aurait vraiment commencé à faire n'importe quoi, alors que là il se dit merde j'ai une chance. C'est dommage hein, j'aurais pu vraiment finir la game là-dessus. Ok, la balle s'envole, il va me pinch. Ok, je vais lui prendre son boost. Et il me bump. Parfait. Dommage, j'aurais bien aimé gagner le duel. Je pensais le surprendre en vrai en rushant. Ok, il peut pas marquer. Ça me met bien. Et moi que c'est but. Ah, il l'a. J'essaie de cadrer. Je pense que c'est cadré. Il est obligé de défendre. La lucarne, il défend. On va surtout prendre ce boost, c'est important. Ah merde, putain. Je suis trop con, je pensais vraiment pas qu'il pourrait tirer. Hein. Attendez, je dois juste bloquer un mec qui m'invite pour rien. Hop. Merde, je l'ai pas réussi à le bloquer, je l'ai juste refusé l'invite, dommage. Allez. Dommage, là vraiment, je prends deux buts que j'aurais pu vraiment éviter. Et je loupe le boost là. Mais quel niveau de merde j'ai là? Oh, oh là 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 là, les trois buts que je prends sont donnés. Aïe 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 Gaspo, allez, on se réveille. On se réveille, je suis meilleur que lui. On prend un slow. On va fake. Et il me pinch. Belle frappe, mais en vrai ça lui rend la balle plus qu'autre chose. Je fais semblant de turn pour lui faire peur. On doutait qu'il allait rater. Je sais pas pourquoi, je le sentais qu'il allait rater. Je pense qu'il a cru que j'avais cadré. Allez, en vrai, il est vraiment pas bon. Faut vraiment en profiter pour gagner. Allez.
il me donne la balle. Et belle frappe. Ok, il rate. Peut-être ma chance. Non, il l'a. Mais quoi ? Ok, on se panique pas. On prend ce boost. Il va jouer la balle comme d'habitude. Et on va contrôler. Et on va tirer à droite. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme ça qu'on gagne à Rocket League en 1v1. Suffit juste de tirer dans la lucarne. C'est la règle. Tu prends la balle, tu tires et c'est but. Ok, il peut pas marquer. Ok, j'ai réussi à défendre mais par contre j'aurai pas le boost. Et ça c'est problématique. On va aller prendre des pads. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire en vrai. J'ai pas eu le temps de récupérer assez de boost. Peut-être que j'ai pris trop de pads en vrai. J'aurais peut-être dû en prendre que deux. Et j'aurais dû surtout clear pas vers le boost. Ok. Voilà, là on claire pas vers le boost, il peut pas aller le chercher. Et là je peux aller le chercher, parfait. Là j'ai très bien joué. Dis-moi que c'est but. Je pense que c'est but, parfait. Je comprends pas ce qu'il fait l'adversaire. En fait j'ai l'impression qu'il veut trop ne pas me laisser d'espace. Mais du coup des fois il me colle dans des situations où ça sert à rien. Où il peut pas me coller. En fait je pense qu'il applique, vraiment bête et méchamment ce qu'on doit faire en 1v1. Sans réfléchir à si là c'est propice à le faire ou pas. Et surtout il change pas beaucoup de gameplay. Hein. Vraiment il change pas beaucoup de gameplay. Allez, faut vraiment que je le batte. Ah, c'est le genre de joueur que je dois battre en 1v1. Allez. Non, j'ai raté mon kick-off. Ah là là, j'ai pris deux kick-off goals dans cette game. Si seulement j'étais meilleur à ça. Je serais beaucoup moins tilt. Allez. Attends, il me prend les pads. Ouais, ça va être but. Non, ça va, c'est pas but. C'est pas but. J'ai peut-être un open. Allez, c'est dedans. Let's go. Il a fait n'importe quoi. Il aurait pu vraiment la save. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu. Allez. Ok, ça va, c'est pas un kick-off à la con. Prends du boost en vrai. Oh, il me l'a rendu. Ok, j'ai eu peur de me faire dribbler là-dessus. Ouais, fake en vrai. Allez, let's go! J'ai réussi à m'éloigner de la balle pour tirer derrière. Et du coup, c'est but. En vrai, là, c'est bien joué parce que si je tire en ayant la balle collée, la balle va pas aller très vite. Alors que là, si je m'éloigne et que je tire derrière, là ça part. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein, si vous voulez tirer plus fort, éloignez-vous de la balle et rapprochez-vous-en plutôt que de la coller et de dasher. Allez, on perd pas le kick-off et ça fait plaisir. Et là, je vais fake. Allez, on gagne du temps. Et on bump. Voilà! Et c'est gagné contre AzimRL. Très très content d'avoir battu ce streamer. Et on se retrouve à 1310, non 1312. Je pense qu'on n'a jamais été aussi haut dans cette série, donc j'espère que ça va continuer. Allez, on passe tout de suite à la game 2, c'est parti, jingle. Allez, game 2, on est contre Sap Aqua qui est un SSL 1357. Alors là, on a intérêt à se concentrer parce que 1357, ça joue au jeu. Hein. Ça joue au jeu. Attention. Ok, je vais prendre un reset. Nice, le reset qui passe. Finalement, je fais des mécaniques et ça fonctionne. Finalement, allez. Let's go. On a réussi à prendre un bon kick-off. J'ai la balle. Ok, je la lève. Et comme ça, il est obligé de défendre. Et je prends son boost. Et là, il a pas de boost. Il est obligé de clear. Ah merde, le boost a spawn. J'ai pas eu de chance là-dessus. J'aurais peut-être dû le cut là-dessus. Hein. Et ça clear. Même s'il tire, je l'ai. Et c'est but, hein. Et c'est but, messieurs. Oh, la balle de merde qu'il m'a donnée. C'est fou, hein. C'est incroyable. Je sais pas si j'ai progressé ou si le niveau a baissé, mais je sais pas. J'ai l'impression que les gens sont moins forts qu'avant. Je pense que... J'ai peut-être aussi moins d'erreurs.
Nice, j'ai réussi à défendre. Allez. Ah, là, c'est mal joué. J'aurais dû le rush direct, en fait. Je sais pas pourquoi je fake challenge. Dès que je suis en arrière, faut que je backflip, en fait. Allez. Faut vraiment que je prenne les duels d'une meilleure façon. Et les kick-off d'une meilleure façon, aussi. What? Comment il peut être là, direct? Incroyable. C'est trop triste de prendre autant d'avance et de les perdre à cause des kick-off. Allez, Gaspo, concentre-toi sur les kick-off. C'est fou, hein. Voilà ce qui se passe quand je me concentre sur les kick-off. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est très frustrant. Allez. Faut pas se déconcentrer. Ok, il fait des slow kick-off sur les corners, hein, vous avez vu. Oh, vas-y. J'en ai marre. Faut vraiment que je reset mental là. En fait, le fait de rater tous mes kick-off me fait tilt. Donc là, je vais faire full slow. Hein. Je vais vraiment faire full slow. Voilà. On se fait plus chier. À essayer de gagner un kick-off. Il m'énerve. Allez, c'est but. C'est but. Let's go. Parfait. Il a trop voulu me bump. Il se fait berner. Allez, slow kick-off. On en a rien à foutre. Voilà. Il y en a marre. Ok, il la clear. Mais est-ce qu'il va l'avoir? Ouais, je pense qu'il va l'avoir. On va prendre le boost. Ok, on contrôle. Je voulais la fake. Putain, dommage. Ok, je suis dans la merde là. Non, ça va, il rate. Ouais, je sais pas si je pourrais. Nice, dommage. Putain, j'avais trop bien joué. Dommage que je l'ai pas eu. Allez, on prend le boost. Dommage, j'ai voulu la... En fait, je pense que j'ai sauté trop tôt, là. J'aurais dû lui laisser une chance de croire que je pouvais encore fake challenge. Mais là, j'ai sauté trop tôt et du coup, il le savait. Ah, ça se voit trop, en fait. C'est trop mal joué, ce que j'ai fait, là. Allez, c'est pas grave. Encore un slow. Après, il a peut-être raté son wave dash et du coup ça me donne une chance, mais non, je me tente un putain de kick-off goal encore une fois. Ça me rend fou cette game. Ok. Ok, il va prendre tous les boosts. Je suis obligé d'aller chercher le boost mid. Ok, j'ai réussi à le dribbler. Et se tirer histoire de lui faire peur. Ah bon, on fout parce que franchement, sans les kick-off, il est vraiment trop nul. Hein. Il est vraiment trop nul en face. Je pense vraiment que sans les kick-off, je le bats. Okay, on prend les boosts. Et okay, je pense pas qu'il peut marquer. Là, il va tirer direct. Très bonne strat, hein, de tirer direct, c'est bien joué. Allez, c'est peut-être but. Dommage parce qu'en vrai, quand il m'a bum, j'aurais pu wave dash et ça aurait fait un but. Et grosse frappe. Dommage. J'ai même pas cadré dans tous les cas. Oh, ok. Ouais, fake. Ok, je vais partir en airdrip bum, je pense. Dommage, j'ai raté. Aïe 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 aïe, bon au moins c'est un vrai but qui me met cette fois-ci. C'est vraiment trop triste cette game. Hein. C'est vraiment vraiment d'une tristesse sans nom. Ok. Bon kick-off.
Je suis trop tilt. Vraiment trop tilt de l'avoir perdu cette game. Ok. Ma fake. Ouais non, c'est perdu. C'est perdu les gars, on va cancel. Allez, on va passer à la game 3. C'est parti, jingle. Allez, game 3, on est contre NNOAM. Bon, c'est un joueur que j'ai croisé tellement de fois dans cette série. Je me souviens plus s'il joue bien ou pas. Je sais qu'il est un peu toxique dans mes souvenirs. Ça doit être un mec qui joue énormément en 1v1, je pense. Allez, on commence avec un kick-off goal, ça nous met bien. Petit kick-off goal pour commencer. Oh non, 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 ma manette qui bug. Oh non, j'ai pas besoin de ça maintenant, je suis déjà tilt de la game d'avant. C'est trop triste. Oh là là. Allez, c'est pas grave, vas-y, on oublie. On oublie, 0-0. Bon bah du coup, 1-0, mais... Non, 1-0-0. 0-0, ça fait plaisir, merci Noam. Ok, il saute là-dessus. C'est un fou. Je sais pas si je peux la marquer, par contre je peux prendre les boosts. Si je peux pas la marquer, mais je peux prendre les boosts. Et... Je crois qu'elle est morush, donc j'ai flic. Pas dedans. Ok, à contrôler. Dommage, j'aurais pu passer en vrai. Je démo. Et là il va me dire un wow. Ouais, il va me dire un wow je pense. Ah non, pas du tout. Bon, il est pas toxique, je retire ce que j'ai dit. Allez. En tout cas c'est bien joué, la bonne démo au bon moment. Dommage, j'aurais dû être en 2-0 d'ailleurs. Dommage, encore un kick-off goal. Allez. Ok, je sais pas si c'est open. Parfait, c'est open. J'ai vu qu'il m'avait sauté dessus, je me suis dit, vas-y, je vais air dribble et je pense que ça passe. Oh, le kick. Troisième kick-off goal. Passe vraiment une bonne game. Hein. C'est vraiment agréable. Allez, encore un slow kick-off du coup. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Là, c'est très dur de ne pas tilter. Et de rester concentré. Là, il faut. C'est vraiment une épreuve mentale cet épisode. Faut vraiment pas tilt. Oh, il a le reset. Ok, est-ce que je peux la mettre? Ouais, je pense que c'est but. Let's go! Parfait. Heureusement qu'il a fait un mauvais reset. Hein. Allez. Slow kick-off? Oui, hein. Oui, alors ça c'est un kick-off goal que j'accepte avec plaisir. Mais avec plaisir, hein, vraiment. Merci pour ce kick-off goal. Au moins ça remet un peu les pendules à l'heure dans cette game. Je devrais gagner 5-0. Bon, on va dire 4-0 vu que je viens de mettre un kick-off goal, mais... Normalement c'est 4-0. Hein. Ok. Ah, il va me bump. Oh, il a raté, je m'en doutais. Il a pas eu de chance, en vrai, il a tiré trop fort, sans faire exprès. Il a vraiment pas eu de chance. Et du coup, 6-3. Là, j'avoue que... Genre, il aurait pu mériter de marquer. Hein. Genre, sa balle sur son air dribble, elle est partie super loin. Il a vraiment pas eu de chance. Non, pas un quatrième. Ce serait fou. Ok. Prends du boost.
Encore un drip bump. Ok. Il a raté. Je vais prendre le boost. Je pense que j'ai le temps. Ouais. Il va tirer direct. Ouais, ça se voyait. Ok, j'ai une bonne balle. Je vais faire un pogo là. Oh, si je le bumpais derrière. Oh, si je le bumpais derrière, c'était incroyable. Ah, parce que j'ai vu, il y a un très bon joueur qui s'appelle Dark en 1v1 qui fait beaucoup de pogo, mais de façon compétitive, et je voulais essayer du coup. Et en vrai, ça m'a l'air pas mal. J'en ai déjà mis quelques-uns. Fake. Et on refake. Enfin, belle défense. Hein. Il a défendu de fou. Hein. C'est pas but par contre. J'ai eu peur que je me fasse bump. Allez, c'est peut-être but. Non, je crois que c'est pas dedans. Dommage. Je cadrais, c'était but. On va prendre ce boost. On va essayer de pas throw la game parce que j'étais pas loin de l'astro là. Ne l'astro pas. T'as deux buts d'avance, tu les gardes. Ok, il va sur le mur. Je vais aller sur le plafond. Et voilà, on le rush. Il s'y attendait pas. Parce qu'en fait, je fais jamais ça. Et je pense que lui, il m'a beaucoup joué. J'ai jamais fait ça. Du coup, il a grave été surpris, je pense. Let's go. Allez. Ah, c'est pas cadré. Ah, il va me prendre le boost. J'aurai pas de boost. En vrai, ça va. J'ai 3 buts d'avance. 47 secondes. Je suis assez confiant. Voilà. On défend bien. Même s'il tire, je l'ai. Voilà, parfait. Ok, en vrai, il gagne du temps. Hein. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Il va chercher le boost. Il va sûrement bump. Ah non, je pensais tellement qu'il allait bump. Bon, dans tous les cas, j'ai le temps. Je vais pas me faire avoir au kick-off. Je vais même faire un slow. Voilà. Enfin, je vais même pas faire un slow, mais genre, je m'arrête, quoi. Voilà, on gagne du temps. Le temps, c'est cool. Tic-tac, tic-tac. Allez, my time. C'est le moment de faire un petit freestyle pour finir. Non, il m'a pas laissé faire. Putain, dommage. J'aurais bien aimé qu'il me laisse faire. Voilà, c'est terminé, hein. Fin de l'épisode. En fait, on a fait 2 victoires et une défaite, donc je suis quand même content. 1312 MMR, voilà, c'est pas mal. Ce qu'il y a à retenir de cet épisode, c'est vraiment qu'il faut que je fasse des efforts dans les kick-offs, que je m'améliore là-dessus, parce que c'est catastrophique ce que je fais. J'en prends beaucoup plus que j'en mets. Donc, bah voilà, hein, c'est vraiment les kick-offs à travailler, mais c'est dur à travailler à part en jouant, quoi. Hein. Si on joue pas, on peut pas les travailler. Je suis obligé d'aller en ranked pour les taffer, donc bah, ça va prendre du temps avant que je progresse en kick-off. Et je vois que D7, il fait 50 000 games de 1v1, il est toujours aussi nul en kick-off. Donc je me dis, putain, en fait, il y a peut-être un monde où jamais je m'en sortirai de ce bourbier, de me prendre des kick-off goals en 1v1 et de perdre les games à cause de ça. Enfin bref, on est à 40 points du SSL. On se retrouve demain pour la suite de la série 1v1. Et moi, je vous dis à demain. C'était Gaspo, ciao.